En effet, pour ce jeu, Inside, comme je l'ai vu sur le chat, il n'y a pas que Atto qui l'a déjà fait, vous avez raison. Beaucoup de gens ont fait ce jeu, pour les gens qui ne le connaissent pas, et moi-même, je vais le faire parce que c'est quand même un jeu qui mérite le coup d'œil, je pense. Un jeu assez glauque, les enfants, vous pouvez aller vous coucher, hein, carrément. Alors là, par contre, on a un problème avec le jeu de type chiant. C'est-à-dire que, d'accord, non, c'est bon, pas de problème. Aucun problème. Donc Inside, un jeu qui est glauque pour le conduire, comme diraient les nuls. Et hop là! Voilà. Et du coup, on va voir ce que c'est. Je sens que là, les gens vont adorer. Quand on va y avoir des dons et des subs, parce que ça va vraiment participer à l'immersion et au gameplay. Donc, mesdames et messieurs, c'est parti pour la découverte de Inside, un jeu indé qui n'est plus très récent, mais qui fait plaisir. Donc, on y va. Allons-y. Et si vous connaissez déjà le jeu et que vous êtes là juste pour dire ah ouais, je connais, ou là va y avoir un truc, ou tu nous emmerdes, Zerator, avec tes vieux jeux, on le connaît tous, je vous invite à aller vous coucher et je vous souhaite une très bonne nuit. C'est parti! C'est quand même une DA. Je préfère cette DA à celle de Limbo. On peut aller là-dedans. Ah, moi je connais rien au jeu évidemment. Hein. Jamais vu de let's play, jamais vu de vidéo de gameplay, jamais vu rien du tout dessus, bien sûr. Hein? Donc voilà. D'accord? Mais en effet, comme on l'a dit dans la vidéo de présentation que vous avez tous vu, ce n'est pas un jeu qui est à mettre entre toutes les mains. Attention. Attention, attention. Est-ce qu'on peut avoir des dégâts de chute? Visiblement non. D'accord. Des gens sont embarqués dans un camion, c'est formidable. Salut Black Dame, merci pour ton sub. Visiblement un enfant s'est échappé d'une capture massive de gens. Par d'autres humains, d'autres grandes personnes, d'autres adultes. Salut Monsieur Diabolique, merci pour ton sub. Ah là on va me voir, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe si on me voit? Il se passe que je recommence? Que se passe-t-il? D'accord, je recommence. Ça tombe bien parce que les jeux d'infiltration c'est ma spécialité. Ah j'ai fait un bruit, ah merde. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve un moyen de descendre discretos. Est-ce que je suis caché là-dedans? Je me rends pas compte. J'ai pas trop regardé les touches d'ailleurs, je sais même pas s'il y a une touche pour marcher, courir, j'en ai aucune idée. Est-ce que je fais du bruit si je fais ça? Ah, faut que j'avance juste lentement avec le sticks. Ça fait moins de bruit. Bonsoir, on m'a appelé gameplay et immersion. Salut à toi, merci beaucoup. Caché dans un frigo. Aucune touche pour interagir. Parce que là je vais pouvoir monter. Bah non, c'est bien trop. Et on peut pas se déplacer dans un plan, dans un axe Y. On a que X et Z. Non, on a que X, Y, on n'a pas Z. Ah, je peux le faire tomber visiblement. Alors comment je vais faire pour faire tomber ça, sachant que... Comment j'interagis? Ah d'accord. Ah d'accord, X c'est pour interagir avec l'objet. D'accord. Je l'avais pas pigé. Ok. Putain, un truc que j'ai trouvé tout seul dans un jeu, truc de ouf. Alors, you, d'accord. Il y a des chiens, mais ils sentent même pas qu'il y a quelqu'un. Nul. Nul! Là, on peut... Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a pas de gros dégâts de chute, parce que soit il fait une roulade, soit il se retrouve à toujours bien s'en sortir. Alors, si je fais ça, par exemple. Ah oui, d'accord. Comment ça, waf waf? Ah, parce que j'ai fait du bruit et les chiens arrivent, c'est ça? Oh yes, c'était utile, trop cool. Ok. DSL de faire un don, je veux juste dire que les sons dans ce jeu me semblaient être un orgasme pour mes oreilles. Me semble être un orgasme pour mes oreilles. C'est vrai? Epic Katana, c'est vrai? Oh, y'a un chien! Ah, je suis mort, non? Ah, je crois que c'est la fin. Alors adieu, hein. Quoi? Bien joué, petit. Les curés veulent donc te kidnapper. Des fiefés. Voyous, je voulais dire.
Eh bien non, Banane des îles, tu te trompes, car si tu voulais faire une référence au fait que c'est très drôle de dire que des personnes membres de l'église peuvent être pédophiles et que tu stéréotypes ça, eh bien tu te trompes aussi, puisqu'en fait il s'agissait d'adultes qui étaient capturés au début du jeu et non pas uniquement d'enfants ou de personnes de petite taille, hashtag ARG. Mais je comprends ce que tu as voulu dire et je te remercie pour ton message, Banane des îles. Alors c'est étrange parce que je sais jamais si on va me voir. Parce que là ils sont censés me voir. Ah, il va falloir se cacher là-dessous. D'accord. Bon, ça va, c'est assez intuitif pour l'instant. J'espère pas trop ruine l'infiltration. Boule fraîche. Merci Emasculator pour ton généreux message. Merci beaucoup. Alors là, évidemment, on ne va pas passer dans les phares, j'imagine. Mais alors, que faire? Ils descendent. On voit pas leur masque. Bon, je vais essayer de passer d'abord. De toute façon, on recommencera si jamais on se fait choper, mais... Salut! Ah, on peut courir à partir du moment où on se fait voir. Ah, j'ai trébuché! J'ai ruiné l'e-sport. Alors il faut faire ça, mais il faut sauter sur la branche. Enfin, il faut sauter par-dessus la branche. Hop! Parce qu'évidemment, on est captivé par regarder le monsieur qui nous poursuit. Alors qu'en fait... Oh putain! Ah! Ah, c'est des flèches tranquillisantes. Oh, j'ai cru qu'on s'était fait abattre comme ça. Et oui, parce que faire mourir les enfants dans les jeux vidéo, c'est pas si simple, hein. En termes de... Cool, gamin, il est tombé du camion. Pas du tout, il ne s'est pas fait attraper avant d'être dedans. Vous ne comprenez décidément rien. Mais l'autre il me poursuit plus. Ah si, c'était juste un problème de timing. Ah, il peut plus me tirer dessus lui. Il a oublié son fusil. C'est pas mal ça. Vite. Ah. Ah. Saute. Oh, je veux que j'aille me refaire abattre. Il y a un autre chien. Oh putain, cours. Oh putain, c'est tellement stylé comme le jeu évolue là en termes de caméra. Oh nice. Alors on peut nager. Est-ce qu'on a un souffle infini? Ça a l'air. Non, ça a pas l'air justement. Non, je sais pas. Comment va être symbolisé le souffle? C'est juste à un moment, ça va faire... Ah voilà, comme ça. D'accord. C'est pas trop des flèches tranquillisantes, Zera. Si, si, ça en était. Ça en était. Si, si, ça en était. Tu as... T'as pas dû bien voir. Je t'invite à te mettre en source. C'est très beau ce jeu. C'est assez stressant aussi. Alors là j'imagine qu'on peut donc on peut rentrer dans l'eau mais pas trop du coup. Et si on voit un moment la lampe torche, eh bien on plonge. Hashtag ARG encore. Il fait froid sous la pluie. Ils ont même tué les porcs. Ils ont tout tué. Ils ont tout tué. Putain, c'est comme ça que je devrais le faire. Je saute car j'espère sécher, mais il pleuvait encore. Il y a encore de l'eau là ? Ah merde. Excusez-moi. Salut Crackies, merci pour ton sub. Ah, le champ de maïs, ça c'est pas mal. Ah bon ? Alors c'est pas mal, mais si vous avez déjà couru dans un champ de maïs dans la vraie vie, vous savez que ça colle à mort. Ouais. Ouais, ouais. Quelqu'un est arrivé dans le chat et a dit j'ai pas suivi pourquoi il refait le jeu, Zera. Faut savoir que je ne l'ai jamais fait. Et c'est pour ça que je le fais. Voilà. Je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Évidemment. Alors on est chez le fermier. Mais qui nous dit que tous les PNJ nous veulent du mal? C'est pas sûr. On ne sait pas. On en a aucune idée. En tout cas c'est un jeu où on peut sauter. Donc a priori c'est plutôt un bon jeu. Cela dit, il y a des bons jeux où on peut ne pas sauter. Hein. Il y en a peu, mais genre Overcooked, c'est un bon exemple. Très bon jeu, on peut sauter. C'est très rare en général, un bon jeu, on peut sauter. Jamais joué à un jeu plus beau que celui-là, l'ambiance t'a tombé, sinon continue comme ça, t'es au top. Merci Kiyu. Ah, mais c'est des petits poussins qui me poursuivent. Je peux pas tirer la porte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec les petits poussins? Oh bah d'accord. Oh, je suis content d'avoir trouvé ça par hasard, parce que j'aurais mis du temps à trouver.
Ah, va falloir se jeter, bien sûr. Faut pas se retourner. Je l'ai prise dans le mauvais sens. Ah, d'accord. C'est chaud à faire ce qu'il vient de faire. Demain sur CSGO, dire que je vais encore perdre mes enchères, perdre de l'argent durement gagné pendant le Super Bowl ce soir. By the way, j'attends la pub de Unexpected pendant la mi-temps au match. I don't think so, Danfo. It's a bit expensive. Putain, c'est beau. Merci, Gilles de Norac. Je déverrouille la porte et je ressors. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Tu peux reverrouiller ? Venez les poussins ! Il fait bon à l'intérieur ! Ce jeu et cette ambiance. Vous voyez qu'il y a des gens qui connaissent pas, c'est bien. Je suis content de faire découvrir ce jeu à des gens. Je vais découvrir en même temps que vous. Bon, ça ne fonctionne pas encore. Merci beaucoup Underworld pour ta grande générosité. Ah, ça c'est le cric. Trop mignon. Trop mignon, Sir Story. Félicitations à vous deux. Ça va pousser la paille. Ah d'accord. Ah, les poussins sont tellement amoureux de moi. C'est la voiture de Zerator en hiver. Ah putain. Encore plus de batterie. Ce jeu est une merveille, tu me donnes envie de re-regarder cette fabuleuse histoire. Merci Krieger. Bon, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose de plus à faire visiblement. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a de l'eau. D'accord. Attrape. Non. Pas sauter dessus, non. En fait, j'ai du mal à voir avec les éléments avec lesquels je peux interagir. C'est pas forcément très évident. Alors peut-être qu'il faut que je remonte du coup. Peut-être c'est ça. On va essayer de remonter. Alors quand je suis bloqué sur une énigme, je ne regarderai probablement jamais le chat. Parce que je sais que beaucoup de gens ont fini ce jeu, beaucoup de gens ont fait ce jeu. Donc il est inutile de directement me spoiler les solutions à l'infini dès que vous voyez que je galère plus d'une minute. Parce que je sais qu'en général, vous allez bien faire ça. Parce qu'il s'agit aussi de chercher un petit peu. Je vais quand même pas amener les poussins dedans, non ? C'est terrible. Parce qu'en fait, ça aspire ce qui est là. Ou alors moi, faut que je me mette dedans. Comme ça, on peut plus interagir avec, d'accord. Comment je pourrais faire pour que ça reste ? Peut-être avec la planche de bois, je sais pas. Mais cette planche de bois, je peux plus interagir avec, non ? Je peux plus la ramasser. Ah bah, je la vois même plus. Où est-elle ? What ? Elle a des pop ? Ah si, elle est là. Elle est là, elle est là. Ok. Alors je vois pas comment laisser activer ça, parce que dès que je lâche ça s'enlève. Je sais pas si je peux aller là-dedans. Parce que en fait je sais pas vraiment s'il y a un bouton d'interaction ou un truc comme ça, parce que en fait il y a le bouton d'interaction sur X, mais je sais pas si. Mais j'imagine qu'on se faire jeter. Mais si on est broyé à l'intérieur, c'est terrible, non? Ah mais en fait je tue les poussins déjà. Putain, yes! J'ai réussi sans faire exprès. 1 poussin égale 2, c'est tout pour moi. 1 plus 1 égale 2, génial. Ah non, attends, pousse. Merci les poussins, vous m'avez beaucoup aidé. De l'eau sur la paille. Adieu les poussins. C'était hyper cool. Par contre, le poussin qui prend rien en prenant la paille, plus en retombant de si haut. C'était assez... assez politiquement correct. Y'a quoi là? On va sauter dans les ports. Putain, j'ai toujours rêvé de faire ça. Yes! Assassin's Creed. Ah. Ok, on peut bouger ça déjà. Pas mal. Pourquoi pas. Peut-être ça pourrait me servir à me cacher, je sais pas. Hyper discret. Chef, vous avez vu cet énorme tas de porcs qui se déplace tout seul? C'est rien. Ah, nothing suspicious here. Et allez, on est encore dans la bouillasse. Ah, c'est horrible ça. Oh, c'est tellement bien fait. La sensation de j'arrive pas à marcher dans la bouillasse. C'est électrifié? Non. Ce qui est fort avec ce jeu, c'est que le gameplay n'est pas un simple support à une histoire, mais comme un vecteur d'émotion qui participe à la narration. Slash game designer. Bah de toute façon, je sais que c'est un chef-d'œuvre, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ah!
Salut, GBW. GBDW. Mon dieu, il y a un ver dans ce port, c'était dégoûtant. Il y a un ver solitaire. Ah merde! Il a le ténia! Ce n'est pas moi qui t'embête, c'est le ver que tu as dans les fesses! Attendez! Heureusement, je suis fort à Midboy. Hein. Allez, tu vas casser la grange de ta propre ferme. Hop! Il me poursuit encore? Il me poursuit encore, putain. Ah, il y a des gens! Il y a des gens exhausted! Vite! Ah merde! Ah, il s'est... Quel enfer! Tu vas mieux? On est potes? Alors, Tayo, en garde! Non? Ah, j'aurais peut-être pas dû le mettre là. Je peux le tirer maintenant? Vas-y, viens là. Ouais, avec du calme, quand même. Allez, recule! Attendez, où est-ce que je pourrais l'amener qui serait intéressant? Ici, pour sauter sur la lampe? Et que ça me balance? Ouais, peut-être. Peut-être. On lui a enlevé le ténia qu'il avait sur la tête. Allez, courage. Évitons le live pour les enfants et faisons-le sur le côté pour éviter l'animation qui fera rire les enfants. J'ai fait du babysitting hier soir et quand les enfants dormaient, j'ai regardé les VOD, j'ai donc été payé pour regarder Zerator. Partageons alors ce but. Je comprends, Aroa. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je peux les contrôler! J'ai compris, putain, j'ai mis du temps à comprendre. Je contrôle les PNJ grâce à ce casque de contrôle mental. Mais alors quoi? Alors les autres, les deux autres sont coincés là-bas? Attends, tire? Tirer ça comme ça? Ah non, d'accord, on peut lever. Dis donc, je ne suis pas d'accord avec ce jeu, les poussins ne sont pas de la chair à canon. Et bah, le poussin pas content, tu sais, tout allait bien. Hein. Tout allait bien, aucun poussin n'a souffert. Oh, c'est grave stylé. À moins qu'on puisse le tirer. Ah, on va tout faire péter! Venez, venez, venez! Ok, comment je sors de là? Je sais pas comment j'ai fait, mais... Ok, d'accord, pourquoi pas. Ok, il y a un truc ici. Nope. Nothing to see here. C'est horrible parce que genre on sait pas. Soir bon, soir bon. Dis-moi quand tu joues à The Last Guardian un jour. Je sais pas, j'ai hésité, Soushi. Peut-être que je le ferai quand il sera un peu passé. Voilà, cela dit, la hype est un petit peu passée, mais on m'en a dit aussi beaucoup de bien. Mais j'ai joué à aucun jeu des devs de The Last Guardian et c'est vrai que ça m'a l'air d'être une obligation. Il va peut-être falloir que je le fasse un de ces quatre. T'as raison de poser la question, c'est vrai qu'on me l'avait pas encore demandé, mais j'y ai pas mal réfléchi et comme j'avais raté le train sur le coup, après je me suis dit est-ce que je le fais ou pas. Bref. Après le truc c'est que c'est pas... Faudrait que je me procure le matériel nécessaire. Je crois que c'est que sur PS4, non? Je sais plus. Désolé si je suis un peu inculte. Je sais pas s'il existe sur PC, mais je crois pas. Ok, alors à quoi sert ce truc? Voyons voir. Voyons voir. À quoi ça sert? Sur quoi ça influe cette chose? Ah, c'est peut-être la chaîne en bas là? Ah oui, c'est ça. Devine, t'as deux poussins sur une table. T'en veux plus qu'un, comment tu fais? Bah t'en poussins. Énorme. Merci à toi vraiment pour ça. Merci beaucoup. On peut se balancer ou il n'y a pas assez de mou? On va pouvoir, je pense. Ma PS4? Non, oh, ma PS4 de Smite, je l'ai donné à un pote. Pour rigoler ou quoi? Je l'ai plus. Plus court encore. Pas garder une console dont je me sers pas. Il y a un pote qui voulait trouver une PS4, je l'ai donné. Paf! Bon, je l'ai dit, si c'est pour faire un let's play, il me la prêtera. T'as loupé des dents, c'est vrai? Ah! Je l'ai fait Day One pour ma part, juste un peu. Juste un jeu parfait, content que tu le fasses enfin, du coup j'ai plein écran. Ainsi je me retire de la tentation de te spoiler les énigmes. Je suis désolé de pas avoir vu, pardon. Je les avais tous vus sauf celui-là, pardon. I'm sorry. Je suis complètement pour The Last Guardian, et oui c'est une exclu PS4 malheureusement. Ok Makumba.
Et après, moi, je suis pas du tout à l'aise avec la manette de PS4 et ça implique d'avoir le matos d'acquisition et tout. Il faut que je récupère la console. Enfin, ça s'organise, quoi. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais ça s'organise. Last Guardian est bien. Le problème, c'est que les 10 FPS du jeu qui tuent un peu le jeu. Ah ouais, pourtant, j'ai vu des images de Let's Play, ça avait l'air fluide. Alors, il y a quoi? Il y a haut et bas, c'est tout? Ok. Donc, j'imagine que je peux monter dessus à souhait. Est-ce que je peux tourner? Ok, on peut tourner vers ça. Ah, d'accord. Donc là, j'imagine que je devrais pouvoir faire ça. Oh merde! Oh là là, j'ai cru que j'allais tomber. Ok. Est-ce que là, je peux monter encore? Ok, David. Bon, cela dit, est-ce qu'il y a que ça? Ah oui, ça va me servir avec le haut, d'accord. Ah ok, j'ai pigé. Ah, du coup, faut peut-être que je remette au milieu. Peut-être remettre au milieu. Voilà, ça devrait être mieux. Non mais j'aurai jamais un saut assez long pour faire ça, je suis un peu con. Bon, je vais vérifier, mais à mon avis, c'est mort. Ah, quoique. Ouais, non. Ouais, mais après, ça va, j'aurai assez de marge. Faut que je pousse un peu. Mais pas trop. Genre là, ça paraît pas mal. Je retente. Oh. Je trouve que c'est sur ce genre de jeu que tu brilles le plus en stream. J'adorerais comme beaucoup que tu le finisses. Je découvre et je lance ta baille. Merde. C'est pas le genre de jeu que j'ai envie de finir en stream normal, mais en stream nocturne, peut-être, pourquoi pas. Ce serait intéressant. Je sais pas ce que c'est sa durée de vie. J'irai voir après le live. Ok, alors, est-ce que je le pousse vraiment ou est-ce qu'on peut en faire autre chose? Non, ça a l'air d'être fait pour être poussé. Et youpi! Ah ouais! Et du coup, on est dead. Ouais, d'accord. Donc il fallait le pousser et reculer un peu. I'm sorry. C'est quand même pas très punitif dans le sens où j'essaie de pousser un tout petit peu. Wow! Qu'il y a maintenant un big hole en bas. C'est quand même vraiment pas punitif pour un sou, quoi. Voilà, si je saute, j'imagine que c'est la fin. On va peut-être pas faire ça. Hein? Dans une pipe en béton, elle a tout avalé sur ce, je fais de ça avec un pion vieux rouge des familles. Putain. Ce Gérard, quoi. Hop. Alors, on va donc aller voir ce qu'il y a là-dedans. Même si en vrai, c'est pas très prudent parce qu'on a aucune idée de ce qu'il y a. Ah. Le sound design est tellement bien fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je voulais l'arracher, pas la pousser vers le haut ou vers le bas. Ok, il y a une sorte de câble jaune dont l'interrupteur a l'air d'être de l'autre côté de la grille. Comment l'atteindre? Aucune idée pour l'instant. Je suis avec moi dans les eaux troubles du Nil. Il y a un levier ici, un contrôleur de PNJ ici. Que fait ce levier? Il ouvre cette grille. Ah tiens, il ne se relâche pas quand on... D'accord. Ok. Avant de sauter là-dedans, on va aller voir un peu ce qu'il y a là. Là, il n'y a rien. Si je tire, si je pousse... Non, rien non plus. Là, il y a un truc jaune, jaune, bleu, bleu. Alors, je n'en contrôle qu'un. Ah, d'accord. Donc ils se bloquent entre eux? Pas du tout! Ok, donc ils doivent être tous les deux sur la même plaque. Donc il va falloir que j'aille ici. Que j'attende un peu, j'imagine, pendant que l'autre continue de marcher. Ah non, il va falloir fermer la porte en fait. Alors comment j'avais fait pour sortir de là? Ah, comme ça. Donc on va faire fermer la porte. Retourner là-dedans. Là maintenant on va faire ça. Non, c'est l'inverse qui va être. Ah non, c'est bon. Ok. Ah merde. C'est quoi la touche pour sortir? Bah, c'est Y et ensuite en bas. Ok. Bon, maintenant que ça est ouvert. Alors le problème c'est que bon, ce truc est ouvert mais je sais toujours pas ce que fait l'interrupteur à gauche. Je vais aller voir ce que fait l'interrupteur à gauche. Ivre, il contrôle des zombies en se faisant accrocher la tête. Du calme. Alors il y a une hache ici mais je peux pas la ramasser donc je peux pas interagir avec cet objet. Ah mais je pouvais. Ah putain merde. Il y a quoi là? On entend des bruits de pas.
peut pas appuyer sur le... On peut rien faire, on peut pas appuyer sur un truc. Ça c'est mon ombre, ça je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça va me péter à la gueule? Vous dégager d'ici. Ok, donc tout ça est down. Selon le chat, la durée de vie du jeu est de 3-4 heures. Ah ouais? Ok. C'est marrant, tous les jeux indés que je fais en ce moment, ils font 3-4 heures. Salut Menvindis, merci pour les 2 ans de sub. Thank you very much. Ah, par contre, je ne sais pas ce que ce truc jaune a fait, c'est-à-dire que je l'ai désactivé, mais je ne sais pas ce qu'il a désactivé. On verra bien. Une durée de vie de 3-4 heures. Ah bah ok, ça a lagué. D'accord. Le son de la donation a lagué. T'as eu de la chance que je l'ai vu. Tellement stylé là. En fait là, franchement, le sound design est peut-être aussi important que la DA. Enfin je veux dire, il l'est en règle générale, mais... C'est rare qu'il soit magnifié à ce point-là. Youhou! Vous remarquerez que nous avons séché tout à l'heure. Enfin, je crois que nous avons séché. Dans quel cas, si nous n'avons pas séché, il reste un peu de soleil. Ah, la planche plie. Je voulais pas que ça casse, je voulais tester, c'est tout. Ok, nous sommes donc en haut d'un immeuble. Qui s'appelait RC, sûrement le Grand Rec. Je connais bien le Grand Rec, petite salle indé. Alors là, il va se passer quoi? On va glisser, on va atterrir dans la rue. Il y a des gens qui marchent en mode full zombie. Bon, testons, on verra bien ce qui se passe. Ah oui, donc non. Du coup, c'était pas ça qu'il fallait faire. D'accord, je pensais qu'il y aurait un... Bon, je sais pas, j'en sais rien. De toute façon, c'était normal. Enfin, il fallait bien tester. Donc, il doit y avoir quelque chose à faire. Alors, soit il faut sauter et essayer d'agripper la gouttière. Soit à toi, je voulais te faire profiter d'une question que je me pose pour écouter ton avis avec des jeux tels que Limbo Inside, Binding of Isaac. Y a-t-il la possibilité de mettre en évidence, à défaut de résoudre, des problèmes psychologiques grâce aux jeux vidéo? Oh, c'est sûr que oui, Maivor MWS, et même grâce et maintenant grâce à des serious games, on arrive à aider certaines pathologies. Après, je dis pas qu'il y a la jeu vidéo thérapie non plus, mais Merde, fallait sauter à gauche sur l'échelle. Mais même si la jeu vidéo thérapie n'existe pas encore, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être développé dans le futur, même si en vrai, ça s'appellera sûrement jamais comme ça, mais... Voilà. Ok, il est bien agile ce petit. Ouais, moi je dis que j'arriverai jamais à faire un move comme ça dans la vraie vie si jamais le monde... Si le monde cède à la panique. Alors j'ai arrêté les deux trucs jaunes. C'est-à-dire qu'il y avait un câble jaune ici. Là il y a un truc qui enregistre, on sait pas trop ce que c'est, je peux pas trop interagir avec quoi que ce soit. Oui, il y a un E, c'était le Grand Rec, je vous l'ai dit. Petite salardée. Vidéo ludothérapie. Ouais. Ok pour ce truc. Oh là! Ouh, j'ai cru que c'était désactivé. Maintenant j'imagine que le seul endroit où je suis pas allé c'est le haut de la gouttière. D'accord. Oula, attention quand même. Hop. Ah mais non, là, ça va glisser. Ah non, c'est bon. Je croyais que ça allait glisser, que j'étais en mode... Eh ben tant pis. Les enfants peuvent faire des mouvements bien plus agiles que des adultes non entraînés. Bah bien sûr, je sais bien. Ah merde. Ah, ils y ont pensé. Ils se sont dit, les abrutis comme moi... Ah, c'était peut-être fait exprès que ça casse. J'allais dire, tiens, ils se sont dit, les abrutis comme moi qui vont sauter, eh ben on les fera chier, on cassera la... Pas la branche, la planche. J'ai envie d'essayer d'aller en bas, bon sang. A mon avis, c'est peine perdue. Il n'y a aucun moyen de regarder en bas ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que... Ah oui, non, d'accord. Ah oui, c'est pour se pencher. D'accord. Donc non, pas de problème. Ouais. Ok, pourquoi pas. La gouttière, bien sûr. Ah, les adultes sont comme des zombies. Salut, hein. Moi, je disais bon voyage dans l'ascenseur. Allez, courage. Allez, courage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout va bien. Ah ouais, je vais d'abord aller ici en bas pour voir ce qu'on a. La réponse est rien du tout.
Très bien. Donc là, j'imagine que non. J'imagine que rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut peut-être tirer et se pencher vers là, histoire de faire basculer l'échelle? Putain, j'étais hyper fier de mon idée. Je pensais que c'était ça. Genre que là, l'échelle allait faire... Enfin, plutôt dans ce sens-là. Et qu'on allait tomber avec panache. Non, mais par contre, on peut peut-être déplacer l'échelle ici. Ah, mais oui, bien sûr. C'était évident. Pas con. Oh là là. Ouais. Ah, ils sont reliés par des fils. Donc ils vont probablement s'animer quand je mettrai on au compteur. Seront-ils amis ou ennemis? Je ne sais pas. Ok. Là, on peut pas appuyer sur le bouton. Non, ça marche pas. Ok, bon. D'accord, il y a des Wally géants, ça va être des tourelles de défense géantes qui vont m'exploser la gueule. Essayons. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Et ce moyen, c'est le levier. Ok. Alors voyons ça. Oula, ça va être chaud. Il n'y a aucune touche pour sprinter, on est d'accord. Parce que j'ai pas vérifié, mais... Non, je crois pas. Bon, et bah, faut tenter, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Ok. Voyons voir. On va attendre, hein. Oui. Allez, go. Pas trop envie de savoir ce que ça fait quand on se fait repérer, mais c'est pas grave. C'est marrant parce qu'on a eu des phases très très intenses au début du jeu en termes de timing. Et là... Là ça s'est beaucoup calmé. Bon, ça va peut-être reprendre après, mais je veux dire, c'est marrant comme on a eu cette intensité au début. Oh putain, un goéland! Rends-moi ce sandwich à la tomate! Oh, la moutarde. Ouais, c'est marrant, donc l'intensité du début du jeu, dans cet univers pour t'apprendre aussi le jeu, genre le saut, le fait de se déplacer dans l'eau, etc. Parce que c'est une sorte de tuto en fait, ce truc. Et d'un coup, comme ça se calme un petit peu et que ça se transforme en énigme. Ah merde! Ah, donc un gardien va arriver. Alors je peux rien faire, c'est une cinématique. Oh putain. Donc c'est moi qui avance, fallait que je marche dans leur rang. Faut que je m'arrête quand ils s'arrêtent. Chaise musicale. C'est même pas le système de sécurité le plus dingue. Oh, je vais plus voir. Putain, je m'arrête pile en même temps que... Oh, va falloir faire un saut. Ok. Heureusement, il s'arrête quasiment toujours au bout du même rythme. Ah d'accord, si j'entre là-dedans, faut faire un saut. C'est un autre soleil, ouais. Hein ? Attends 2 secondes. Je vais lire ton message, mais pour l'instant, je suis occupé. Merde. J'espère que je suis plus dedans. Je suis plus dedans. Quoi? Faut tourner? Oh putain, prochain truc, faut tourner, je sais pas comment on fait. Ah ok, faut regarder derrière et regarder devant. Ok, pas mal. J'arrive, hein. Failli me gourer. Mais encore une fois, c'est pas une phase de gameplay intense dans laquelle... Ah, je suis plus filmé, je crois. Ah si. Un yinche. Salut Alex Dix 1. Ah merde.
Bon, le chien, il va pas se laisser berner, il est pas dingue. Ça, c'est encore long. Ah bah non ! Ah d'accord ! Oui bon, là c'était pas des fléchettes tranquillisantes par contre. Putain, je vais devoir tout recommencer ! Je vais recommencer où ? Non, ça va. Pour ce qui est de la thérapie par les jeux vidéo, ça commence à être développé en kinésithérapeutie en utilisant un système de retour caméra et des jeux de type Kinect afin de rééduquer le corps humain. J'ai perdu le timing. Je suis désolé qu'avec tout le bruit que tu fais, personne t'ait repéré. En tout cas, le jeu est magnifique. Ah, mais je suis trop nul! Ou alors faut que je bouge! Ah, faut que je run en fait! Putain, j'avais pas compris! Ah! Salut les potes! Michael Jackson Thriller! Oh merde, il est encore là! Oh, je fais le brain! J'ai quand même essayé de sauter! En me disant le chien va refaire le tour, tellement je joue à des jeux vidéo tout le temps comme un mec stupide. Dans lesquels demeurer quoi, c'est pas possible. Bon, j'y retourne. Ah non, mais j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. J'ai le temps là. C'est toujours un plaisir de te regarder stream. Merci petit Radi. J'ai zéro time, il y a un truc à faire que j'ai pas capté encore. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris, il faut que je comprenne. Il y a pas d'objet pourtant. Je n'ai pas le temps, il y a un problème. À moins que je me cache dès le début, essayons autre chose. C'est fait exprès pour qu'on ait pas le temps, alors essayons de me cacher comme ça. Ah, le chien est pas enclenché au début. Où s'enclenche le script? Je passe sous le crochet. Ou alors si je fais pas de bruit. Ça changera rien, c'est ça. Ça change que dalle. Salut hein. D'accord, je pourrais pas sauter au-dessus comme le porc de tout à l'heure, puisque de toute évidence, voilà. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, faut que je le brain à l'infini comme ça. Putain, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire et que je voulais faire au début. Mais j'y crois pas. C'est ce que je voulais faire au tout début, mais ça avait pas marché. Ouais, bah ouais, désolé, je sais que tu voulais à manger le chien, mais... Et là je vais dans le chien comme ça. Vous voyez qu'il me saute dessus? Non. Mais quoi? Je suis un peu déçu parce que je voulais faire ça au début. Je me suis dit je vais revenir et il a sauté la première fois. Parce que je l'ai fait trop tard en fait. Ok. À quoi sert cette caisse rouge? Y a-t-il quelque chose à faire d'intéressant ici? Ah, il y a des PNJ en bas? Non, c'est pas ça. Le décor est ouf. Bon, j'ai sûrement devoir... Ah, il faut que je le casse. Ah, attends. Ah. Alright. Bon, le truc, c'est qu'est-ce qu'il y aura un autre objet? En plus, là, il est un petit buggé, le gars, là. Est-ce qu'il y a un autre objet que je peux prendre? J'imagine un bout de ce truc peut-être. Alors pas du tout. Alors mais pas du tout. Donc il faut le remettre là-bas, d'accord, j'ai compris. Allez, à toutes. Je me disais c'est peut-être pas sûr, peut-être qu'il y a un autre moyen et tout, mais en fait non. There is no other way. Ici ça devrait suffire. Buzz. À l'attaque. Le jeu est bugué. Comment ça il est bugué? Ah, parce qu'il y avait le PNJ derrière la porte, vous pensiez que c'était bugué? Non, c'est bon.
c'est bon. It's okay. Parce que je pense qu'en vrai, le PNJ pouvait peut-être se déplacer à côté de la porte. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr. Alors, nous avons une grosse salle. Et alors, il se passe quoi si lui monte là-dessus? Ah, lui peut pas monter là-dessus. Ah! Sans déconner. Alors là, s'il se passe ça. Mais ouais. Mais c'est formidable. Alors, le problème, c'est que. À quoi ça m'avance? Ah, parce qu'il y a un truc en haut là! J'avais pas vu, putain. Ok, donc. Hop! D'accord. Le problème, c'est que non. Moustache Gracias, merci pour ton sub. Le problème, c'est que là, si je. Et donc, je fais ça. Voilà. Et là, je peux redéplacer ça. Mais il y avait un truc peut-être en bas. Ah, mais non, je peux pas faire en bas. Tant pis. Salut! Je suis en haut! Ah! Et là, ça va se refermer? Ok. Donc, c'était pas ça. Enfin, c'était ça, mais il faut que je m'écarte un peu. Genre ici. Ils arrivent vite! Ah, mais ça va pas le faire! Ça va pas être possible. Mais non, ça va pas être possible. Ah, mais en fait, je m'en fous! Non, mais je suis trop con! En fait, je pensais qu'il était obligé de le faire pendant que. Mais en fait, pas du tout. Il faut que je le mette low. Voilà, l'eau. L'eau, ça suffit. Mais je pensais que j'étais obligé de monter sur le chariot pour arriver à cet endroit-là, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Et voilà. Et la plouf. C'est magique. Putain, il y a une VHS en bas, vous avez vu? Vous savez ce que c'est une VHS? Ah non, vous savez pas. Vous savez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc là, ça va être sous l'eau, puisque ce n'est pas ici. Mais sous l'eau où? Parce qu'on a vu qu'on n'avait pas un souffle... Illimited, et donc là j'imagine que vu que je l'ai pas trouvé c'est trop tard. Ah, ma manette vibre quand je vais me noyer soon. Elle fait j'avais même pas remarqué. Oh, c'est horrible. C'est tellement réaliste. Ok, là il y a un truc d'aération. C'est pas là non plus. Bon, mesdames et messieurs, on va se retrouver après la pause, on va faire la première pause de ce gameplay de Inside. Pour l'instant on s'est pas retrouvé bloqué assez longtemps dans un moment pour que je regarde une solution sur le chat éventuel. Pour l'instant ça va, j'arrive à bien être dans le jeu même si les énigmes sont vraiment pas très compliquées. Il y a un truc à faire dans l'eau, on verra ça après la pause. On se retrouve dans 5 minutes pour Inside, jeu indépendant, un peu glauque mais à la fois très poétique et très bien fait. A tout de suite, on revient.